Le citron et l'huile d'olive. Mes très chers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'en ai précédemment parlé dans mes autres vidéos. Vous savez donc à quel point ceci est important. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces deux ingrédients peuvent soigner une panoplie de maladies, une panoplie d'infections, y compris les faiblesses sexuelles. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment utiliser ça à bon escient. Mais avant toute chose, pensez à vous abonner ici, liker et commenter, et surtout pensez à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Snapchat, Pinterest et même Instagram. N'hésitez pas à bien cliquer sur la clochette de notification. Comme je vous disais, chacun de ces ingrédients possède séparément des nutriments essentiels, efficaces pour guérir de nombreux problèmes dans notre corps. Par exemple, le citron est très apprécié dans la cuisine. Sa peau contre les maladies respiratoires, c'est riche en antioxydants et en vitamine C. Le citron fait partie de la plupart des produits pour régime minceur et même pour des produits perte de poids. De plus, nous connaissons déjà l'efficacité du citron pour lutter contre le cancer grâce à ses antioxydants. En fait, une étude a révélé que seul un peu de jus de citron est nécessaire pour réduire la multiplication des cellules cancéreuses du cancer du sang. Le citron agit comme bouclier préventif contre cette maladie. La vitamine C qu'il contient, quant à elle, aide à lutter contre les maladies chroniques telles que l'asthme. De plus, la vitamine C stimule la synthèse du collagène qui agit comme nettoyant pour notre peau. L'huile d'olive extra vierge. Il existe de nombreux types d'huile d'olive qui diffèrent par leur composition. Cependant, nous recommandons uniquement d'acheter de l'huile d'olive extra vierge qui est une huile de qualité supérieure. Bien sûr, je vous conseille de prendre une huile extraite à froid. L'huile d'olive est très présente dans les régimes méditerranéens, composée en grande partie d'acides oléiques et lipidiques. Elle est en particulier riche en acides gras qui aide à lutter contre le mauvais cholestérol ou même encore LDL. Je vais donc de ce pas vous proposer une recette naturelle qui va vous aider. Vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de citron et d'une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge. Pour la préparation, mélangez les deux ingrédients comme vous me voyez faire. Prenez ce mélange de préférence le matin à jeun, 30 minutes avant le petit déjeuner. D'autre part, le citron est bon pour les calculs biliaires. Ce remède est parfait pour prévenir les calculs biliaires. Une étude a révélé que le jus de citron empêchait la formation des calculs rénaux en raison de sa bonne concentration en acide citrique qui aide à détoxifier le foie et à dissoudre les calculs de la vésicule biliaire. L'huile d'olive ou les calculs rénaux. Sachez que les calculs rénaux sont une infection très douloureuse qui peut apporter beaucoup d'inconfort. Il existe bien sûr des interventions médicales qui peuvent régler le problème. Mais boire un verre d'eau citronnée peut souvent vous aider à faire face. Les citrons contiennent du citrate, un produit chimique qui empêche la formation des calculs. Le citrate peut aussi aider à briser les petits calculs rénaux. Un seul verre d'eau citronnée tous les jours vous aidera à préparer et à enrayer les calculs rénaux. D'autres bénéfices du citron et de l'huile d'olive. Par exemple, si vous souffrez de constipation, ce remède est très utile face aux malaises intestinaux et même à la constipation. Les acides gras insaturés dans l'huile d'olive aident à lubrifier le tractus intestinal et à l'accélérer. De plus, le citron possède un effet laxatif qui permet de ramollir les selles. Ça aide aussi en cas de problèmes cardiovasculaires. L'huile d'olive contient des acides gras monoinsaturés qui réduisent la concentration du mauvais cholestérol dans le sang. Une étude menée sur 101 femmes japonaises d'âge moyen a montré que la consommation quotidienne d'un citron réduirait la pression artérielle de plus de 40% grâce à sa forte teneur en flavonoïdes. Pour finir, si vous souffrez de rhumatisme, cette boisson aide à combattre les douleurs articulaires. Les molécules phénoliques présentes dans l'huile d'olive possèdent des propriétés anti-inflammatoires similaires à celles de l'ibuprofène. Par conséquent, si vous souffrez d'arthrose ou même de douleurs dans le bas du dos, ce remède va vous aider. Par précaution,
faites très attention. Il est nécessaire d'intégrer ce remède dans votre alimentation si seulement elle est équilibrée. Donc, si vous avez des troubles rénaux ou même biliaires, des ulcères de l'estomac ou des allergies au citron, il est déconseillé d'éviter ce remède. Donc, n'hésitez pas à vous abonner ici si vous avez aimé ce que vous avez écouté. Pensez à liker et commenter. Bisous, bisous.